j'ai commencé au golf environ vers l'âge de 12 ans. C'est mon père et mon frère qui jouent au golf. Donc, ils ont commencé à m'emmener sur le terrain de golf, tout ça. Mais j'avoue qu'au début, j'aimais pas vraiment le golf. Moi, je trouvais ça trop relax, il se passait pas grand chose, mais c'est parce que je jouais à plein d'autres sports en même temps. Et qui m'a vraiment fait aimer le golf, moi, c'est les compétitions. Même encore aujourd'hui, je vais dire pourquoi la raison pourquoi j'aime tant le golf, c'est les compétitions, puis c'est pour ça que j'adore en faire. Ça, je sais qu'on veut frapper aussi les balles de golf sur le terrain chez mes parents. Mon père avait construit aussi une trappe de sable, on avait creusé ça, fait que ça s'est vraiment dans notre jeune. Ma première ronde de golf n'a pas été si vite que ça. Je me disais, oh, je vais genre 120, quelque chose comme ça à Beauzelle. Donc, mais ça, à l'âge de 12-13 ans. Ma chance, c'était un gars qu'on ne contrôle pas, mais tu sais, c'est vraiment moi, c'est moi qui frappe le golf. S'il y a quelque chose de mal qui arrive, c'est de ma faute. Quelque chose de bien, mais c'est moi qui l'ai réalisé. Donc, c'est ce que j'aime un peu. C'est ce que j'aime de l'aspect du golf. Aussi, tu vois, le côté social, genre avec le monde, rencontrer du monde un peu partout puis créer des contacts que vraiment tu penses que tu reparleras jamais à ces gens-là, mais soudainement tu t'en vas à un tournoi puis ah, t'as un logement à cette place-là. Mais vraiment, c'est ce que j'aime du golf puis la nature, c'est tellement beau, puis surtout à des belles journées comme aujourd'hui, tu peux pas haïr le golf. Pour moi, c'est vraiment un petit velours, c'est le fun de voir ça parce que c'est comme. Comme j'ai dit, c'est comme vraiment une récompense, mais en même temps, ça, il reste que demain, c'est ça, un nouveau jour. Il faut toujours que je continue à mieux jouer tous les prochains tournois. Faut pas que je dise, ah, je suis 54e, puis m'asseoir là-dessus. C'est vraiment de toujours poursuivre, puis pourquoi pas essayer de briser le top 25 prochainement. Puis pour moi, c'est encourageant, mais c'est pas la fin de ça. Mais c'est sûr que c'est une belle récompense pour voir que je suis capable de performer assez haut niveau. Parce que je me souviens avant, quand j'étais jeune, j'étais, oh, j'ai toutes ces filles-là à battre, mais maintenant, c'est comme, non, j'arrive avec une attitude, c'est eux qui viennent me chercher, fait que c'est vraiment plaisant. J'aimerais vraiment tourner professionnelle après mes années à Kent State, puis voir où est-ce que je peux aller avec ça, mais ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup, puis être connue, la gauchère sur la LPGA.